Cette tribune, elle est dangereuse et irresponsable. Rosa Méziane, 90 secondes chrono, c'est parti. Alors, il y a une semaine, Valeurs Actuelles titrait que 20 généraux appelaient Emmanuel Macron à défendre le patriotisme. Alors, j'ai lu et relu cette tribune sans aucune nuance pour y chercher l'amour de la France. Je n'y ai trouvé qu'un texte dénonçant la France au bord d'une guerre civile, presque désirée d'ailleurs par les auteurs de cette même tribune. J'y ai vu des militaires à la retraite, excités à l'idée de revivre quelques sensations, menacer nos dirigeants d'agir, sous peine de s'en charger eux-mêmes. Sous couvert d'un patriotisme exacerbé, je n'ai vu non pas l'amour de notre pays, mais bien la détestation des autres dans un nationalisme rance. Pour justifier leur catastrophisme, pêle-mêle, ils citent racialistes, islamistes et banlieusards, désignant sûrement dans leur esprit les mêmes individus. Alors personne n'est dupe de cette propagande d'extrême droite, signée en trois actes par Valeurs Actuelles. Acte 1, l'appel à l'insurrection de Villiers. Acte 2, la tribune de ses généraux factieux. Et acte 3, le dénouement avec Marine Le Pen dans un remake de Je vous ai compris. Alors ce serait risible si tout cela n'était pas dangereux. Si cette petite musique qu'on distille dans l'esprit des Français, qu'un État fort et protecteur, ce serait forcément un État militaire en faisant fi de notre démocratie. Alors ces militaires se comportent comme une milice au service de leur idéologie et non pas de la République. Je refuse, moi, petite fille de militaire, que le patriotisme soit abandonné et à l'extrême droite et à quelques égarés en uniforme. Enfin, si j'avais l'audace de paraphraser Camus, je vous dirais, faites attention, quand la démocratie est malade, l'extrême droite vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles.